pas dit. En fait, là, on est à... C'est quoi l'hôtel? C'est Intercontinental, c'est ça? Oui. Voilà, à l'Intercontinental de Papeete. Non. Non. Pas de Papeete, alors je sais pas, c'est où. On n'est pas loin de Papeete. Intercontinental Tahiti Resort and Spa. Yeah, my fan. Et donc voilà, c'est cool, on vient de faire le tour là, après avoir été déjeuner. On a fait le tour de l'hôtel, franchement, elle est chouette. La piscine, elle est bien. Il y a ce qu'ils appellent un lagunarium, en fait, on s'est plongé pour aller voir les poissons, etc. Donc Alex, il va faire ça après. Dont 270 qui sont endémiques. Ils sont quoi? Endémiques. C'est quoi ça? Que tu trouves que sur l'île. Attention, c'est la minute culturelle. Ouais. Endémique, madame, ouais, franchement... doit endémique. Ouais, franchement, j'ai un mec, il est un peu chiant, mais il est très très intelligent et cultivé. Il a fait une licence de biologie, donc c'est un peu le minimum de connaître ouais, le mot endémique. Et alors? J'avais jamais entendu ça de ma vie. Ouais. Et avant, ils ne faisaient pas attention à ce qu'ils ramenaient. Il y a des mecs qui se sont pointés avec des souches de plantes qui sont en train de tout coloniser et qui sont en train de faire disparaître. Ouais, parce qu'en fait, il va plonger juste avec un masque, hein. C'est pas non plus de la plongée sous-marine de dingue. Non, je vais juste... Il va juste plonger pour regarder les poissons parce que hier soir, on a vu qu'il y avait pas mal de poissons rien que dans l'espèce de lagon au bord. Lagonarium. Et qui est fermé. Par contre, il y a les poissons pierres, c'est ça? Ouais. Ils sont super dangereux. Donc en fait, s'ils marchent dessus, mais c'est vraiment gentil. Ouais, mourir, quoi. Non, mais c'est venimeux. C'est un truc, c'est un truc de fou. Une... Je tiens mon petit asticot qui essaye de monter sur les tables. Franchement, c'est trop cool. L'hôtel, il est super bien. Les piscines, elles sont mes propres. C'est un truc de dingue, quoi. Il n'y a pas un truc qui traîne dans la piscine. Moi qui supporte pas ça, là, j'adore. L'eau, elle est chaude. Enfin, c'est génial, franchement. J'adore. Là, elle a été à la piscine un petit peu. Il fait hyper bon, c'est un truc de fou, il n'y a pas de vent. Juste, il y a un peu de pluie, d'ailleurs, je vais vous montrer, il y a des nuages là, juste au-dessus de ma tête. Donc des fois, il y a quelques petites gouttes, mais franchement, il fait tellement bon que c'est comme si on se prenait des gouttes de l'arrosoir automatique ou un truc comme ça. C'est vraiment pas un problème.